Alors, on a été appelé en fin de matinée pour un risque d'effondrement de structure, donc sur l'immeuble Le Patio, qui est situé boulevard Louis-Camp. Hein. Donc, le risque impacte la moitié du bâtiment, l'aile est. Donc, dans nos mesures réflexes, on a procédé à l'évacuation d'un peu plus de 20 appartements. Ce sont à l'heure actuelle une cinquantaine de personnes qui sont prises en charge à ce qu'on appelle un point de rassemblement des victimes dans l'immeuble d'à côté et qui est armé, organisé par les services sociaux de la mairie. Et là, on est toujours dans une phase d'analyse technique de la situation qui devra nous dire si on peut procéder au relogement des gens dans leurs appartements ou si on doit maintenir la mesure d'évacuation, voire augmenter cette mesure d'évacuation.